Irénée. Parce que ta sagesse était profonde, Irénée. Parce que ta parole était féconde, Irénée. Parce que tu as marqué notre monde, Irénée. Parce qu'en grec, ton nom signifie Irénée. Parce que ta sagesse était profonde, Irénée. Parce que ta parole était féconde, Irénée. Parce que tu peux guider notre monde, Irénée. Parce qu'en grec, ton nom signifie, toi qui veilles sur la colline depuis près de 2000 ans, toi dont le nom illumine certains de ces monuments, toi dont parfois le visage apparaît au coin d'une rue, au détour d'un paysage, d'un vitrail, d'une statue, si tu as disparu sans qu'on sache vraiment comment, de manière inattendue, à l'âge de 70 ans, je conserve à chaque instant pourtant cette candeur de croire que tu es vivant tout au fond de notre cœur. Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu as marqué notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie Irénée. Parce que ta sagesse était profonde, Irénée. Parce que ta parole était féconde, Irénée. Parce que tu peux guider notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie homme de paix. Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie homme de paix. N'oublie pas qu'une véritable amitié est un trésor. Elle est beaucoup plus riche et plus rare que la notion d'ami que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Une véritable amitié a besoin de vraies rencontres. Internet peut être utilisé pour commencer et poursuivre ces rencontres. Ton désir d'agrandir ton réseau virtuel peut se faire au détriment de tes proches, avec qui tu échanges tous les jours, comme ta famille, tes camarades d'école ou de loisirs, tes collègues de travail. Si tu passes trop de temps sur Internet, cela peut finalement t'isoler et t'éloigner d'eux. L'amitié ne doit pas rester fermée sur elle-même. Les amis se soutiennent et s'encouragent les uns les autres en développant leurs dons et leurs qualités pour les mettre au service de la communauté humaine. Tu peux créer de la solidarité sur Internet et la mettre au service des autres. Rappelle-toi aussi que tout le monde n'utilise pas Internet. Sois vigilant et n'exclue pas ces personnes. Sachant cela, toi comme tes amis, vous pouvez introduire dans le monde numérique les valeurs d'amitié, d'amour, de liberté et de paix. Le cœur de chaque personne aspire à cela. À toi de jouer.